Le nouveau coronavirus Covid-19 a frappé de plein fouet l'économie mondiale. Commerce fermé, événements annulés. La propagation du virus a perturbé les chaînes d'approvisionnement et provoqué la chute de l'investissement et de la consommation, conduisant à un risque de récession mondiale. C'est un choc économique historique. Les pays ont dû s'adapter, innover, et certaines choses se sont accélérées. Car oui, l'économie mondialisée avait déjà amorcé une évolution, suite à des signaux d'alerte de plus en plus fréquents et l'émergence de nouveaux modèles économiques plus durables, prenant en compte, à tous les niveaux, le coût environnemental et climatique. Les mentalités ont évolué, les modes de production aussi. L'industrie mondiale a commencé à changer vers une fabrication plus décentralisée. La crise sanitaire mondiale de 2020 a fait de cette tendance une urgence. En France, on parle de plus en plus de circuits courts. On cherche la voie de la réindustrialisation et de la relocalisation comme pilier de la relance économique. En parallèle, nous avons des richesses locales sous-valorisées, des trésors locaux oubliés ou négligés. Nous pouvons faire plus. Mais pour cela, il est évident que nous avons besoin de mieux connaître nos ressources, d'identifier les opportunités. Proximité, agilité, qualité, confiance par le travail en réseau ne doivent plus simplement être des mots, mais bien des actes. C'est pourquoi nous lançons la plateforme IAT Cohérence, un projet qui met l'intelligence artificielle au service des territoires. Avec le soutien du ministère de l'Intérieur, porté par l'Université Bretagne Sud avec ses partenaires, la future plateforme de service IAT Cohérence offrira aux préfectures, aux collectivités et aux entreprises des outils, des études et conseils et des formations. Cela nous permettra de mieux connaître la réalité, les besoins, les ressources locales, régionales, nationales et européennes, mais aussi d'identifier des partenaires et des opportunités nouvelles. Et ainsi, de relancer nos économies sur une base plus solide, car plus résiliente. IAT Cohérence, au service de notre économie de demain.